Cette vidéo est sponsorisée par G2A. Utilise le lien en description pour acheter tes jeux et équipements moins chers et tu soutiendras comme ça la chaîne. Bon, allez, c'est parti. Oh putain. Non ! Carlos. Putain, les gars, fusil à poudre à canon, quoi. Je m'attendais à tout sauf à ça. C'est rare, hein, encore. On a quand même le vitesse de rechargement accru et le 50% de dégâts aux membres. Finalement, c'est pas une si mauvaise arme que ça, pour ce que c'est, mais c'est quand même un peu de la daube. Personne n'avait annoncé le fusil à poudre à canon. Avant-dernière arme sur ce perso. Ah, dommage. Fusil à pompe, track, coup critique en SVAV, vitesse de rechargement accrue. Ça aurait pu être une bonne arme, mais on a une perk principale dégueulasse, cette track. Donc on a malheureusement, pour l'instant, encore une fois, une arme de merde. Oh putain, c'est peut-être la meilleure arme. Cadence de tir accrue, poids réduit, et réduit de 20% les dégâts infligés pendant 30 secondes, la mitrailleuse légère suppresseur. C'est la meilleure arme. On va pas se le cacher, c'est la meilleure, merci, bonsoir, même si c'est encore de la merde, plus ou moins. Mais c'est la moins pire qu'on ait eu ce soir. C'est parti. Laser Gatling et Ultra Sight Fury. Plus 33% de chance de toucher la cible en SVAV. Bah voilà, c'était ça dont je vous parlais. Et poids réduit. Elle est pas si dégueu que ça, en fait. Elle est pas si dégueu que ça, puisqu'elle a le poids réduit, donc elle est pas lourde. Mais en plus, en SVAV et dégâts augmentés après chaque coup consécutif, finalement, la Laser Gatling Fury SVAV, c'est pas si dégueu que ça. Je la garde, celle-là. C'est pas dégueu, c'est pas de la merde. C'est pas ouf. C'est pas ouf, c'est clair, mais... ça peut partir. Allez, on continue. Arme à distance légendaire. 3 étoiles. Oh, mitrailleuse légère, vampire, explo, agilité plus 1. Ah, c'est déjà moins nul que ce qu'on avait avant. On a eu deux bonnes mitrailleuses légères, en fait, dans ce stream. Donc, on a quand même une vampire explo. On a une vampire explo. Il y a des gens qui jouent vampire. C'est un build et ils jouent explo souvent. Donc, mitrailleuse légère, vampire explo, c'est pas dégueu. Moins qu'on ne le pense, parce qu'en plus, parce que quand tu fais des dégâts supplémentaires avec l'explo, ça compte, je pense, pour la perk vampire. Donc, du coup, tu gagnes beaucoup de vie. Ce qui fait que les armes vampire-explo sont très intéressantes, parce que le regain de vie est intéressant. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal. En plus de ça, on a agilité plus 1. C'est pas si dégueu que ça. Vampire-explo. Et alors, agilité plus 1. Et ouais, les gars, c'est une armure, l'arme se vend rapidement à 14 000 capsules. Voilà, on a quand même eu une arme, la mitrailleuse légère Vampire Explo peut partir à 14 000 capsules. Donc on a quand même une bonne arme qui rentabilise le tirage. Arme à distance légendaire, donc on a quand même eu une mitrailleuse assez sympa, une mitrailleuse légère assez sympa. Et c'est parti, on continue. Fusil de combat Explo. Mais anti-ghoul, on a un fusil de combat explo. On commence à avoir du bon loot. On commence. On commence. Ah, oh, dommage. On repart sur de la grosse merde. Arme à verrou de fortune anti-humain. 33% de chance de toucher la cible en SVAV. Dégâts en chargeant, c'est de la merde. Arme à distance légendaire. 3 étoiles. Oh, fusil à double canon suppresseur, SVAV, résistance aux dégâts en rechargeant, c'est pas ouf. Bon, je vais aller recycler les armes. Allez, c'est parti, on continue. Arme à distance légendaire. Ah, pas mal. Gatling à plasma vampire, vitesse de rechargement accrue et coup critique en SVAV, c'est un petit peu flou. Mais on a le vampire, vitesse de rechargement accrue, c'est pas mal. Dommage qu'elle soit vraiment pas... avec un petit truc en plus du style précision SVAV. Là, c'est les coups critiques. Mais je pense qu'elle peut quand même partir. Elle peut partir entre 6000 et 10000 capsules, cette arme. Elle peut partir entre 6000 et 10000 capsules à un bon prix. Après, il y en a qui sont capables de payer jusqu'à 17000 capsules, apparemment. Donc voilà, on a quand même... pour l'instant, on a 30000 de capsules. Oh, lance-missile. Putain, ça fait longtemps que j'en avais plus. Lance-missile anti-mutant, dégâts des coups de crosse accrus, résistance aux dégâts, c'est de la merde. Là, vraiment de la daube pour le coup. Ensuite, Cryolator vampire. Putain, on a beaucoup de vampires, hein, les gars. Arme à distance légendaire 3 étoiles. Oh, mais putain, les gars,
pistolet à proue à canon, perce blindage, 50% de dégâts aux membres. Les meilleurs perks qu'on ait eu ce soir, c'est sur un pistolet à poudre à canon, quoi. Mais j'hallucine.